Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Akai, et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Earth of Iron 4 avec MacRentor. Salut tout le monde! On continue tranquillement, là on va les péter en deux, voilà, hop, voilà. Cool les convois allemands qui arrivent là-bas. Par contre mes troupes au nord peuvent plus bouger parce que le seul port est en train de se faire attaquer donc du coup elles sont coupées. Ouais, non mais c'est pas grave, tu les gardes derrière. Là, ouais. S'amuser. Pourquoi on n'a pas déclaré la guerre à l'Autriche-Hongrie hein. Ouais. Pas un tout petit peu piqué, quoi. Ici. Voilà, on les laisse taper un peu. Ah ouais putain. Pourquoi tu fais attaque? Ah non c'est... Ouais. Là-bas, ça dit quoi? On pousse un peu. Putain, y'a pas d'infrastructure chez ces cons grecs là, ils font rien avec leur truc de merde. C'est les Grecs qui s'attendaient à quoi? Putain, à part être à Mykonos, c'est sans filer, cette bande de connards. Est-ce que c'est mantise et que le Japon rejoigne l'Anglais dans sa guerre contre l'Autriche et que t'es l'Autriche qui nous retourne? Alors là, c'est game over quoi. Là, honnêtement, ouais, c'est sauf pour l'Autriche que dans le moi, groin. j'ai pas appelé le Japon, donc du coup, j'ai pas appelé le Japon pour cette faction. Moi, de toute façon, je rejoindrai pas les guerres des autres. Tu rejoins la guerre? Non, 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 De non, toute non, non, façon. gentil, mais non. De toute façon, je suis con. Je vais les mettre là-bas. Se déployer en Lombardie. Comme ça, mes troupes elles s'entraînent en Lombardie, à côté du... à côté de l'Autrichien. Ah, au cas où. Ah, c'est bon, j'ai bientôt mes marines de l'espace qui vont débarquer aussi. Alors, eux, tu vas voir, ça, c'est de la troupe du commando Panzer, quoi. Ils arrivent devant les n'importe quelle troupe d'infanterie, ils font ou papa dans maman. Bon, c'est bien, on pousse un peu vers Cologne. Là on tient, ici on tient, là on est en train de se faire enfoncer. Là, ils tiennent les miens. On a rasé les Oh, convois. magnifique! Là où tu tiens, c'est pas mal. Promotion Falfrud de Guzani. On a réussi à stabiliser le front un petit peu. Ah putain, je peux faire le. Pense à rechercher ton slot supplémentaire. Mon quatrième slot? Ouais. Non, guerre. Il faut que je recherche d'abord les trucs flexibles et après je prendrai le dernier slot. Je vais faire. Ouais. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure en Bulgarie quoi. Le grec il se touche la bite. Le soviétique, c'est un bourrin quand même. Bon, y a que du vert chez nous là-haut. On repousse à Mandchourie, c'est une qu'on bonne va voir nouvelle. maintenant ce qui se passe.
Ah, la manche c'est bien quoi. Ouh, 57. Ah oui, mais c'est de... Ah, 57 divisions. Ouais, bon. 43 divisions au nord. Non, mais sérieux. C'est un malade. Ah, la manche c'est bien cassé le cul par les Chinois. Ce bordel. Ouais, le grec il fait quoi? Bah, il se branle les couilles. C'est un grec. Putain, je te jure. Ah. Il me faut des usines de plus, il me faut des usines de plus. Bon, mes troupes, ça y est, commencent à arriver d'entraînement là. En Franche-Comté, maintenant j'ai combien? J'ai 21 divisions en Franche-Comté. Ok. Et on commence à repousser en Franche-Comté. Nos troupes mènent de l'assaut. Parce que des fois, tu sais, quand tu vois qu'il y a une opportunité, même si elles ont un ordre de tenir la ligne, elles avancent un peu. Là, on coule les convois là-haut. Bon, ouais, c'est bien ça. Tu vois, par exemple, t'as des troupes qui sont en train de se toucher la bite, voilà, au nord, là où il y a à Liège, mais elles attaquent pas. Pourquoi? Parce que on se fait attaquer, elles gèrent l'effort. Au niveau ressources, elles sont bien, donc ça leur permet de régénérer. C'est pour ça que moi, je fais très peu de micromanagement. Par contre, là, ça pue. Tu peux prendre des troupes et les emmener à Luxembourg, s'il te plaît? Ah non, c'est bon, ça tient. T'as des troupes qui sont en stand-by au sud de Namur. Elles sont affectées à la ligne de front. Ouais. Bien, on va prendre une province en Franche-Comté. Épique. La Bulgarie, c'est quoi? Bon, ça fait après, on a pris province en Franche-Comté, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Bon, on a pris. T'as vu depuis une que t'as case. Arrêté. T'as vu depuis que t'as arrêté de donner l'ordre d'assaut à tes troupes, t'as vu? On avance, on a avancé. Parce que comme je te dis, les blindés ben, font le taf. Toi, les tiens, ils tiennent la ligne derrière. Comme quand ils ne sont pas attaqués, ils restructurent. Là, on est en train de finir la flotte en mer Noire. Mais surtout, j'ai plus grave. J'ai envoyé des renforts encore. Ah. Je refais du stock de... Tes troupes de Liège, fais-les attaquer au sud par contre à la main. Parce que elle, je pense que bon, c'est safe, mais. Oh putain, on a encore rasé la flotte allemande là. De Liège, tu les envoies plein sud. Voilà. Nickel, comme ça on va prendre le point là. Mais ouais, mais elles attaquent depuis tout à l'heure, donc on a plus de ressources. Voilà, en Franche-Comté, ouais, comme on disait, on a repris, en rigolant, on a repris une province, mais. Bon, la flotte allemande, elle a été bloquée en mer Noire. Pacha, c'est les où? Voilà, histoire de Balkan. Bon, je tape dans les... Ah oui, non, c'est ok. La frontière entre les Eastern Balkans et les Western Balkans. Ici, on avance, voilà. Là-bas, on a pris la province. Ah non, pas pris.
Parce qu'après, attends que je te libère mes espèces marines de la mort qui tue. Parce que mes espèces marines, là, tu vas voir quand ils vont arriver les bestiaux avec les. Et là, je peux recruter mon général Alfredo Guzzini. Infanterie attaque, infanterie défense. Ah! 5% d'attaque, 10% de défense. Bon, on prend, on va pas cracher dessus. Moi, c'est Maurice Gamelin, attaque plus 10%. Bien ça. En Grèce, idéologie. Bon, les fascistes sont bientôt au pouvoir. Bon, Grèce, c'est déjà dans la faction. Ouais, mais si c'est des fascistes, par contre c'est c'est la mieux. Roumanie que je booste aussi en fasciste. Je vais peut-être essayer de booster un peu le Danemark. Si ça ouvre un autre front au nord pour casser le cul au cheleu. Bah Oh, regarde, regardez, oh, tout on le a monde fait s'est une petite formé. poche. Ouais. Voilà, je soutiens par derrière. Moi, j'aime bien par derrière. Et voilà. Tu vois, et tes troupes, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent tenir la frontière, ça fait que voilà. Moi, je fais l'attaque, toi, tu fais le soutien derrière. Tes troupes, là, t'as des divisions qui sont en train de se branler les couilles à côté de la poche. On va les attaquer. En bas à gauche de la Ouais, poche, au sud de je Namur. vois, je vois. Nickel. La Franche-Comté. Bah, la Franche-Comté, je vais réétendre ma ligne de front. Il faut qu'on y arrive là. Ah, mais c'est sur la bonne voie là, c'est sur la bonne voie. Voilà, on continue d'avancer tranquillement. À droite de Bitburg. Non, on va prendre Cologne. Je Passe vais faire un bien. coup. Fallait passer par derrière pour prendre un peu les Seine et Dortmund. Et envoyer les troupes de Gaulle Non, non, tenir non, la va pas frontière. t'enflammer. Ne t'enflamme pas. Ne t'enflamme pas. Par contre, tu vois, regarde au nord, t'es en train de te faire pousser, donc t'enflamme pas. Hein. Tes troupes là qui sont à gauche, ramène-les à Wilhelmshaven, ramène-les au port. Parce qu'ils vont se faire couper en deux, je pense, après, sinon. Nickel. Ah oui, je vois, ouais. J'ai éliminé la poche, c'est la priorité, donc t'étends pas. Laisse la poche se terminer, se faire massacrer. Voilà, ici bien. Comme ça, il a dégarni la frontière au sud, donc je vais commencer à donner des ordres au Pécor. On va leur dire de reprendre ça. Bien. Voilà. En Afrique, ça dit quoi? Je vais belle que je fais pas gaffe en Afrique, moi. En Afrique, ça dit qu'on est en train de massacrer les teutons, là. Oh putain, d'accord, t'as... C'est quoi ça? C'est l'Irlande? 18 divisions irlandaises en Afrique du Sud. Vas-y, mon gars, t'as peur de rien. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas en guerre contre l'Irlande, nous, donc c'est Oui. beau, ça. Donc l'autre, il a ces divisions-là, il se bouffe de l'attrition, il nique les ressources économiques. Et il y a l'Américain aussi, mais contre qui on n'est pas en guerre. Lolololololol. Ensuite, là-bas, ça dit quoi? Ça dit que c'est la merde.
Ah si, ça dit qu'on va peut-être prendre une province là-bas. Ah, 25. Ok, ici. On n'a pas de troupes. Mais blindés, ils me disent quoi? Ils me disent ça commence à être bon. Eux, pourquoi ils y vont pas? Les divisions se préparent. De toute façon, elles se font taper dessus. Donc on n'est pas pressé. Rien, on va bientôt éliminer. Ah. 9 divisions qui vont disparaître, sachant qu'on en a éliminé, je crois qu'il y en avait 14 ou 15. Nos critiques, il n'y a plus d'arrêtement, il n'y a plus rien, ils sont en mode. Le supplie. Vous me suppliez, tu vas voir. Ah, mais c'est une bonne chose ça. C'est dommage, Thomas, tu vois, t'as mes chars qui attaquent, mais tu vois, des fois on se dit pourquoi ils attaquent, c'est en fait s'ils attaquent, c'est pour empêcher que les troupes se déplacent. Parce que t'es en train de prendre une province ou des trucs comme ça. Des fois ils font des assauts, tu dis mais pourquoi ils font ça? En fait c'est pour ça, les plans de bataille en fait prennent en compte tout ça. Voilà, allez, dis au revoir aux divisions. Au revoir les divisions. Voilà. Hop, là on a coupé des convois. Flexible. Bon bah ça a l'air de plus se passer pas trop mal finalement. Ouais, on a cru des effets du cul. Non mais c'est. Par contre tes troupes arrête de les. Essaye de pas les bouger, fais-les vraiment tenir la ligne. Tu sais, on les fait vraiment bouger quand t'as besoin, mais là tu les fais tenir la ligne, voilà. Et moi regarde, je suis en train de prendre. On va se prendre colonne nous attaque, là, on va les repousser. Après, on stabilise à Cologne, tout le bordel, on stabilise ici. Ouais. On va faire une jonction, c'est trop loin. Et après, on va aller s'occuper de la. Je vais prendre mes blindés, on va aller reprendre la Franche-Comté, on va reprendre les frontières françaises. Je pense. Ouais. Juin 40, on a fait ça, mes troupes de marine, on va chercher. Non, on va chercher. En juin 40, non. En engineering. Voilà, hop. Et 24 10. Ah, il commence à me dire que c'est bon là, il commence à me dire oh on les viole. Ouais, c'est beau. Ouais, le rapport de force est en notre avantage. Ouais, c'est bon, mes troupes sont bien. Les ressources, j'ai besoin d'anti-tank, j'ai besoin d'artillerie, j'ai besoin de motorisé, j'ai besoin de support d'équipement, j'ai besoin de light tank. Ouais, ça va, ça sent bon. On laisse faire là-bas. Vous pouvez les ramener cette division. Et que dis-tu que peut former, putain. Sont... Bien, regarde-moi ça, l'Allemagne du Nord. Cologne va être pris. Les trois offensives sont en vert. Ok. Toi, tes troupes tiennent à la frontière sans aucun problème. Ouais. C'est tout ce qu'on leur demande de faire. Mes troupes du Sud, non, je vais pas les envoyer à l'assaut. Par contre, c'est de la montagne là-bas, ça pue un peu. Non, je vais aller prendre passer par le Nord. Ah, la Manchouette est capitulée. Voilà, ça c'est bien. Donc c'est-à-dire que maintenant la Chine va se taper. La Chine. Ah ouais, la Chine commence à taper le russe hein. Non. Si, il tape le russe. Et si. Ah oui, vu qu'il est en guerre avec. Il est avec oui, vu qu'il a rallié le Japon. Oh putain, la Chine et le Japon contre l'URSS. On va peut-être pouvoir séparer de la menace communiste avant l'heure. Ouais. En fait c'est loin quand même, avant qu'ils atteignent la menace communiste, parce que là ils sont du côté où il n'y a pas l'ancien. Regarde-moi ça le plan de bataille en Allemagne. Regarde-moi ces couleurs. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ah c'est clair, du vert partout. Et du vert partout quand on avance. Ouais. Il y a quelle division soviétique quand même en Allemagne? Faut me casser les couilles. L'enfoiré soviétique, il a envoyé des troupes pour aider l'Allemand. Pareil en Bulgarie, putain de soviet. Bon c'est ce qu'on dit, le soviet éponge. C'est nul. Je sais, c'est honteux. Bon, on va falloir que je me penche un peu sur mes prods. Les tanks.
J'ai des visions de l'espèce nationaliste qui se branle les couilles à Bordeaux. Oh, c'est joli Bordeaux, hein, la place de la Quinconce, tout ça. La guerre. Ah ouais, on arrive, on arrive. Là, j'ai. On a fini l'épisode, donc là, je regarde les équipements. Je sais pas quel stock d'équipements j'ai. Enfin, d'armes à feu. Ouais, mais les armes à feu, je crois que je suis en train de chercher une nouvelle. On va surtout pas. Non, qu'on me dise pas que j'ai oublié de les produire, mes nouvelles armes à feu. Un fort équipement. J'ai oublié de produire mes nouvelles armes à feu. Tiens, copain, je te raquette du. Je te raquette des ressources. Donc, l'acier, je te le prends chez toi. Le pétrole. On a pas toi à me fourguer? Ah non, je suis dans la rue. Non. Tungstène. Ouais, mais tu sais, vu que t'as une partie qui est obligatoirement exportée. Ouais, je rends rien. Bon. Sur ce, on va arrêter l'épisode, les gens. On vous dit bye bye et donc à demain pour la suite de la série. Allez, ciao. Hey, c'est tout le monde.